On m'a posé plusieurs questions sur justement mes expériences là-bas à chaque fois que j'y suis allé. Je suis allé maintenant 5 fois je crois. Donc à chaque fois ça a été pour des choses différentes, en préparation avec Paris, pour la Coupe du Monde avec la sélection nationale, pour me faire opérer. Donc j'ai pu voir plusieurs facettes du Qatar et à chaque fois c'était en bien. Non, le directeur du tourisme ici m'a demandé ce que je pensais justement du Qatar. On a pu échanger un peu, il m'a demandé comment allait la blessure, il m'a dit qu'il suivait beaucoup le handball. Il m'a demandé aussi si je voulais porter le faucon. Là, j'ai jamais porté un faucon avant, donc c'est une première pour moi. C'est surprenant de le faire au salon du tourisme justement, d'avoir un faucon ici, mais il est plutôt calme, donc ça va, ça s'est bien passé. Avec le Paris Saint-Germain, donc on a pu voir qu'il y avait des dernières techniques, notamment de robotique, qu'on a pu essayer, qui étaient vraiment de dernier cri. C'est vraiment du top niveau, donc on a pu s'essayer. En plus, il y a pas mal de nationalités différentes là-bas. On a pu échanger un peu avec des Français qui s'occupaient du secteur robotique là-bas. Ouais, super photo avec mon ami le faucon. En plus, il regarde l'objectif.